Amis téléspectateurs, et bienvenue dans ce magazine plus ou moins geek, le seul magazine qui réunit tous les pans de la culture geek. Encore plein de surprises au sommaire aujourd'hui, mais avant, laissez-moi vous présenter la team de choc. Il vit chez lui avec trois femmes, dont une est son épouse. C'est notre expert BD roman, Laurent Kessy. Il vit chez lui avec deux femmes, mais ça, elles le savent, elles aiment ça, monsieur Rurik Salé, notre expert cinéma. Il se fait passer pour une femme pour pouvoir vivre justement chez Rurik Salé, monsieur Nicolas Gusteau, notre expert jeux vidéo. J'adore mes propres blagues. Et Julien, rejoins-moi. Notre invité. Ça va, David. J'applaudis. Ouais, c'est un grand romancier. C'est un peu une sorte de professionnel. C'est pour ça que je mets une petite veste. Tu vois, c'est pour être tout beau. T'es notre maître. Julien Chaise, qui est le co-créateur fondateur de Gameblog, qui va passer une heure avec nous. On espère qu'il va survivre à toutes les bêtises que tu vas entendre. Et tout de suite, on va se téléporter sur le plateau. Comment on fait ? Et le sommaire pour vous en passionnant. Au programme aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le film Moon West, un sujet sur les affiches de cinéma, Yumi et sa rubrique cosplay, le désormais célèbre Geekcionnaire, l'année geek avec Rudy Pomared, le jeu vidéo Zombie You, une nouvelle plongée dans la culture japonaise avec RL, le comics Judge Dredd. Et aujourd'hui, notre invité n'est autre que le journaliste et présentateur Julien Chiez. À son actif, de nombreux articles pour la presse spécialisée jeux vidéo, la cofondation du site Gameblog, désormais l'une des plus grandes plateformes web de France, des podcasts qui réunissent des centaines de milliers d'auditeurs, l'animation d'émissions télé pour Game One, MCM ou encore Direct Star. En fin d'émission, ce sera à lui d'élire le chroniqueur le plus convaincant. Attaquons dans le vif du sujet avec la rubrique cinéma et Rurik. Et n'oubliez pas que vous pouvez hashtaguer l'émission pendant qu'il parle. Non, j'ai décidé capillairement parlant d'être solidaire. Et j'ai choisi donc un film avec Yul Brynner, bien sûr, qui était un peu le chauve le plus... Bon, il y en a plein maintenant, hein. Il y a des Jason Statham. Mais Yul Brynner était avant le chauve le plus connu du cinéma. Mais c'est pas pour ça que c'est intéressant, c'est parce que c'est un film de science-fiction, je pense à Laurent Kessy, extraordinaire, par un auteur qui est connu par plein de choses, mais peut-être pas assez connu pour ses réalisations. Quelques petites images lancées par Jean-Édouard. Your attention, please. We will soon be landing at Westworld, the ultimate resort. We have you on grid 5, over. It consists of three worlds of the past. Locking in now. Worlds where you can live out your every fantasy. There's Roman world, the lusty, decadent delights of Imperial Pompeii. Notify ground crews. Medieval world, chivalry and combat in 13th century Europe. And Westworld. Monde Ouest, s'appelle Westworld, qui est réalisé par Michael Crichton. Je crois qu'on dit Crichton en anglais. Ouais. Tu n'es pas sans connaître Michael Crichton. Michael Crichton, tout le monde le connaît sans connaître forcément son nom. C'est... On connaît surtout les bouquins et surtout les adaptations qui ont été faites des bouquins. Créateur de Jurassic Park, donc écrivain de Jurassic Park des parcs. Créateur de Urgence, Michael Crichton. Oui, tout à fait. Parce que lui-même était un gars qui était, je crois qu'il était médecin, je ne sais plus exactement. Ouais. Donc c'est quand même un mec qui a, grosso modo, il est mort maintenant, mais il avait pas mal d'argent, on peut dire comme ça. Mais il a été aussi réalisateur. Il n'est pas très connu pour ses films. Or, quasiment tous ses films sont des films incroyables. Avant de parler de Monde Ouest, on peut dire, il y a La Grande Attaque du Train d'Or avec Sean Connery et Donald Sutherland. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Runaway, l'évadé du futur avec Tom Selleck, qui est un film de science-fiction complètement, où le méchant, c'est le chanteur de Kiss, qui contrôle des araignées avec ses yeux, des araignées mécaniques. C'est complètement dingue, avec des robots familiers qui finissent par prendre le pouvoir et tirer sur tout le monde, c'est complètement dingue. Mais en tout cas, lui, quand il réalise des films, c'est toujours très plaisant, tu les regardes, tu dis « Oh, j'ai passé un super moment, c'est un film vraiment qui te raconte une histoire », et celle de Monde Ouest est assez hallucinante, puisque c'est dans le futur, dans un futur ou présent, on s'en fout, en fait, pour les gens qui ont un petit peu d'argent, plutôt que d'aller passer des horribles après-midi au parc Astérix, quand t'as vraiment de la thune... Ou à travailler sur Gameblog, hein, des gens peu fréquentables. Là, c'est une bonne après-midi. Avec des geeks.
Eh ben, ils peuvent aller dans un parc d'attractions énorme qui reproduit une époque du passé. En l'occurrence, ça peut être le western, ça peut être le temps des chevaliers, des trucs comme ça. Et il y a plein de cyborgs qui sont donc programmés pour jouer le rôle de cow-boy qui t'emmerde un petit peu, qui te provoque en duel. Et donc, toujours programmé pour que tu gagnes le duel, tu vis, tu sais, t'as des prostituées qui sont des prostituées cyborgs. Et la nuit, pendant que tout le monde dort... Donc, qu'est-ce que t'as gagné, là, dans cette histoire? Elle simule quoi? Elle, ça, je sais pas. Tu veux dire les femmes dans le film? Dans le film, bien sûr. Non, mais voilà. Je sais pas trop, mais en tout cas, ils couchent avec des femmes. C'est Disney, finalement, avec Adventureland, Disneyland, etc. Frontierland, c'est les cowboys, c'est les pirates. Ouais, mais c'est exactement le même principe. Ils prennent ça et ils l'ont fait. Des cyborgs pour éviter de payer les gens, ça, c'est clair qu'ils se feront tout de suite. Mais en tout cas, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a toutes ces scènes. Ça, c'est ça qui est marrant chez Crichton. Quand les gens dorment, tu vois dans la ville des espèces de déboueurs qui arrivent, qui ramassent tous les cowboys qui sont fait tuer en cyborg pendant la journée pour aller les réparer, un peu comme les Vélib, en fait, tu vois. Et t'en remettre des nouveaux. Sauf qu'il y a un problème avec Brolin et son pote, c'est que un jour il tombe sur Yul Brynner, qui le provoque comme ça, qui est incroyable, il est monolithique, mais il joue le cyborg, t'as l'impression que ce mec est pas humain, quoi. Yul Brynner, comme ça, il se balade tout le temps avec, tu sais, le cliché du cowboy, les mains sur la ceinture, comme ça, et il provoque l'un des deux héros, comme ça. Donc le mec lui dit, ah, il te provoque, vas-y, provoque-le en duel, puis tu vois, il est en train de boire une bière, il le bouscule, puis il lui faut sa maman, tu vois, jusqu'à ce que le mec réponde. Donc il fait un duel, il le tue, les mecs s'amusent. Le lendemain, Yul Brynner réparé, revient provoquer le même mec. Donc il le retue, le surlendemain, le mec revient, ça va, sauf qu'au bout d'un moment, il lui tire dessus, et il tue vraiment le gars, quoi. Et là, tu te rends compte que ça déconne complètement. Ouais, et tous les cyborgs du parc se mettent à tirer sur tout le monde. C'est l'hécatombe. Et je vous dis pas ce qui se passe, mais ce qui se passe, bon, grosso modo... Ah, tu craques, ouais, dis pas la fin. Je vous dis pas ce qui se passe, mais je vais vous dire pour vous donner, chez vous. Pour vous donner the water at the butch, c'est qu'à un moment, donc, le héros vraiment fuit, finit par fuir et dépasser les limites du parc. Et Yul Brynner le poursuit inlassablement et il finit par arriver dans les autres parcs où Yul Brynner, cyborg de cowboy western, arrive dans des trucs moyenâgeux et commence à regarder comme ça et il voit du feu et il comprend pas ce qu'il voit et c'est hyper beau parce que t'as le cyborg qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai jamais vu ça. Il y a plein de petites finesses, plein de petites intelligences, c'est très simple, c'est faut pas chercher au midi à 14h ce film, mais c'est vraiment un putain de film de SF où ils avaient fait des essais de 2D puis de 3D sur la suite qui étaient assez révolutionnaires pour l'époque. Vraiment, je vous invite, je vous ordonne, je vous impose de le regarder à genoux. Tu vas aller chez tout le monde, tu vas vérifier si c'est fait dans deux semaines. Je vais aller chez tout le monde. Quant à Yumi, ce n'est pas un cow-boy qu'elle va affronter, mais bien Albator dans sa rubrique cosplay. Salut à tous. Aujourd'hui, 4 indices pour deviner mon invité du jour. Indice numéro 1, il a été créé en 1969 par Leiji Matsumoto. Indice numéro 2, il est surnommé le corsaire de l'espace. Indice numéro 3, son père s'appelle Greta Arlock. Indice numéro 4, son bateau s'appelle Arcadia. Vous avez quelques secondes pour réfléchir. Il est temps pour moi d'accueillir mon nouvel invité. Bonjour Yumi. Bonjour. Donc pour l'instant, t'es en civil. Comment est-ce que je dois t'appeler ? Jonathan. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis réceptionniste dans un hôtel. Donc il est temps maintenant de découvrir l'identité secrète de Jonathan. Pourquoi Albator déjà ? Alors ça a été un très gros coup de cœur, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, quand j'ai vu la première bande-annonce sur le net. J'ai vu ce personnage ténébreux, tout en cuir, avec un super costume, je me suis dit waouh, génie de... Donc en fait c'est des parties, c'est beaucoup du cuir ? Voilà, du simili-cuir. Pourquoi du simili-cuir et pas du cuir ? Pour le côté coûteux en fait, c'est moins cher du simili-cuir que du vrai cuir. Là je vois que t'as pris du blanc et du marron. Voilà, la couleur c'est pas vraiment important, c'était surtout par rapport au prix en fait, parce que ça peut se repeindre facilement après qu'une peinture acrylique en fait. J'ai utilisé ce genre de peinture qu'on trouve un peu partout, et qui reste flexible en fait après séchage. Donc après il y a aussi des détails comme des parties un peu plus rigides. Alors les bracelets en fait ce sont des gros tuyaux de plomberie, des tuyaux gris là qu'on trouve dans les surfaces de bricolage, que j'ai vernicolé pour faire une surface adhérente, parce que le plastique, en fait, le PVC, ça, avec la peinture, ça adhère pas bien. Et pour les détails en relief, ça fait comment ? Alors là, j'ai utilisé du polypropylène. C'est un matériau plastique, en fait, de ce genre-là, de ce format-là. Ça me sert pour pratiquement tous mes cosplays, en fait. C'est un matériau super rigide,
qui va pas s'arracher, qui va pas se craquer. Par contre, ça peut pas se peindre. Il faut qu'il y ait un revêtement par-dessus, parce que la peinture tient pas dessus. Mais par exemple, si tu veux faire une armure, tu la plies ton plastique et il tient pour faire une armure. Pour mes jambières, par exemple, c'est du polypropylène. Donc j'ai pas besoin de plier parce qu'avec la tâche qui est derrière, ça prend la forme de la jambe. Après, pour attacher tous les pans d'armure, est-ce que tu as une technique particulière ? Alors en général, j'utilise soit des clips, soit du velcro. Donc les clips, c'est ce que je récupère sur ce genre de collier ou sur des vieux sacs à dos en fait. Après, pour l'oiseau, tu as fait comment ? Alors l'oiseau, il fallait qu'il soit super léger. Donc j'ai pris du journal, je l'ai scotché pour que ça garde la forme. J'ai utilisé du fil de fer pour faire le cou, qui soit un peu flexible et qui bouge quand je marche. Et pour faire le bec, j'ai utilisé simplement du carton que je récupère du petit déjeuner. Et donc je l'ai vernicolé, je l'ai peint avec plusieurs peintures différentes pour faire des effets un peu. Et ensuite, j'ai utilisé une simple baguette chinoise en fait sous le bec pour le planter dans la tête en le collant en fait. Combien de temps t'as mis en tout pour faire ton cosplay ? Alors la première version, j'ai mis un mois. Parce que c'était vraiment un gros coup de cœur qui n'était pas prévu au programme. Et je voulais vraiment le faire, donc ça m'a pris environ 4 semaines à le faire. Après, pour les boucles de ceinture. Alors les boucles, pareil, j'ai dû les refaire aussi, vu qu'elles ont changé. À la base, c'est des boucles en carton. J'ai fait plusieurs épaisseurs de carton. Et j'ai tout recouvert de plastiroc. Et sinon, comment tient ton oiseau ? Alors il est aimanté. J'ai utilisé ce genre d'aimant, un très gros aimant. Donc il y en a un qui est incrusté dans ses pattes. Ces pattes, c'est une structure en fil de fer recouvert de plastiroc. J'ai percé avec une perceuse, j'ai mis une cheville et j'ai vissé ce gros aimant et collé aussi vraiment dans les pattes. Et il y a le même aimant qui est greffé à ma veste en fait dans mon dos. Donc on peut vraiment les clipper ensemble. Et une sangle qui vient se clipper aussi dans mon cou pour stabiliser l'oiseau pour pas qu'il parte à droite ou à gauche. Donc qu'est-ce que tu vas nous donner comme astuce ? Alors mon astuce à moi, ça va être la mallette de voyage pour aller à Japan Expo, en convention, en représentation. Donc c'est une mallette qui va contenir du maquillage, de quoi couper, de quoi coller. J'ai vu que tu avais décédé donc derrière. Oui, voilà, donc j'ai aussi décédé avec plusieurs prestas que j'ai dessus. Elles sont déjà toutes prêtes, au cas où un jour en convention, on oublie ma presta ou que je suis sur un lieu et que je dois faire une presta un peu improvisée. Différentes versions, différents timings. Albator, c'est un mois de travail, 30 tubes de colle, 6 mètres de simili cuir et une cinquantaine d'attaches parisiennes. Coupé ! Attends, tu veux ça ? C'est un peu grand. On continue avec encore un petit bonheur sucré de 2 minutes, le Geekcionnaire de Seb Lacheret. Bonsoir et bienvenue dans ce Geekcionnaire consacré au cheat code. Alors, cheat code et non pas cheat code. Oh, baba, gauche-droite, BA! Cheat code signifie code de triche, soit un code que l'on entre grâce à un clavier ou une manette avant ou pendant la partie. Bah oui, après, ça n'a aucun intérêt. Cette manipulation permet d'obtenir des bonus d'armes, de vie, de munitions, d'invincibilité, d'invisibilité, d'imbécilité, de biscuits apéritifs, bref, que sais-je, de quoi tricher comme un gros bâtard. À l'origine, les cheat codes étaient des codes qu'utilisaient les programmeurs pour tester leur jeu dans la version bêta. Bêta ! Le premier cheat code serait apparu en 1983 dans un jeu nommé Manic Miner, jouable sur le ZX Spectrum de Sinclair. Si c'est bon comme ça ! Mais non, pas lui. Lui. Dans Manic Miner, le code 603-1769, basé selon la légende sur le numéro de permis de conduire du programmeur, permettait d'activer le mode cheat. S'il est aujourd'hui aisé d'obtenir tous les cheat codes existants, à la flamboyante époque des consoles 8-bits, Internet n'existait pas encore dans sa version actuelle, accessible à tous. Pour obtenir ces fameux cheat codes, il fallait attendre leur parution dans la presse spécialisée. Ou bien connaître quelqu'un qui connaissait 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 le programmeur du jeu. Il y a encore quelques années, pour personnaliser ces cheats, il fallait être un hacker acharné. Se bouffer des lignes et des lignes de code à en gerber du pixel. Au jour d'aujourd'hui, de maintenant présent, une simple recherche sur Google vous permettra d'accéder à un gentil petit programme qui vous ouvrira les portes des arcanes abyssales de la programmation de la plupart de vos jeux favoris. Cependant, ça ne fonctionnera pas forcément avec les jeux online. Allez, game over les losers, je vous laisse, et faites attention, trop de cheat, nul cheat.
Je me demande si c'est pas une spéciale monolithique qu'on fait aujourd'hui, puisque Laurent va nous parler de Judge Dredd. Alors non, il y a deux films. Il y a deux films. Le premier, il est pourri, effectivement. Le deuxième, il est mais vachement bien. Mais il y a quand même Sylvester Stallone dedans. Voilà, bon imitateur. Je peux faire un peu Eddie Mitchell. La lumière s'en va. Oh merde. Et le film, t'es dans la mer. Oh merde. Donc, Judge Dredd, on en a déjà parlé tous les deux. Non. Et on disait que c'était quand même une aberration de. On disait que c'était une aberration parce que Judge Dredd, dans la BD, il n'enlève jamais son casque. Et Stallone, mais par contre, j'imagine, il était obligé de montrer sa tête. C'est vraiment bizarre, millions de dollars. Comme décision. Et donc il a enlevé le casque et envoyé Judge Dredd. Alors qu'il y a une ambiguïté dans la BD, je vais vous expliquer après. Et le nouveau film, alors je me souviens plus du nom du réalisateur. Qui s'appelle Dredd, tout court. Ouais, trop court. Un film très rasta, ouais. Et qui est bien. Oh, il est pas mal, Ça passe juste. Non, il est bien. Il est très proche de l'écriture originale. Il est proche de l'esprit, du délire de la BD. Il manque peut-être d'un peu d'argent. Tu sens pas vraiment qu'il y a beaucoup on fait beaucoup de réhutes dans les trucs. En tout cas, par réutilisation, pardon. D'accord, excuse-moi, on n'est pas aux États-Unis d'Amérique. Ouais, c'est un peu un Américain, vas-y, Laurent. J'ai envie de tanker. Par rapport au premier, c'est vachement bien. Alors, Judge Dredd s'est créé en 77. C'est pas un comic book américain, c'est une BD anglaise. Ouais. Ouais. Okay. C'est important de le dire. Ça a beau se passer aux États-Unis, c'est une BD anglaise créée par John Wagner et Carlos Esquera, qui est un dessinateur espagnol, lui. Et alors le nom du Judge Dredd, tu déconnais tout à l'heure en disant c'est un truc de reggae, et ça vient vraiment d'un groupe de reggae de ska qui s'appelait Judge Dredd, avec D-R-E-A-D. Ils ont enlevé le A, ils ont mis Judge Dredd, et ça vient de là le nom. Comme quoi. Voilà. Donc c'est une BD anglaise, mais ça se passe aux États-Unis, dans Mega City One, qui est une espèce de super grande mégalopole qui prend toute la face est, la côte est des États-Unis, et au milieu... C'est un no man's land, il y a eu une apocalypse nucléaire, c'est une terre ravagée, complètement contaminée. Et sur la côte ouest, il y a Mega City 2. On peut peut-être voir quelques images d'ailleurs. Ah ben oui, j'ai oublié, on regarde bien sûr. Ouais, je serais curieux. 800 millions de personnes vivent dans les ruines de l'ancien monde. Il n'y a qu'un recours pour faire régner l'ordre dans ce chaos. Les hommes et les femmes du palais de justice. Peachtree's est l'unique laboratoire qui fournit Mega City One en slow-mo. Les juges se font plutôt rares à Peachtree's. Maintenant, il y en a un. Donc Dredd, au début, c'est en noir et blanc. C'est des petites histoires courtes qui forment des sagas. Donc une des premières sagas, une de mes préférées, s'appelle la Coast Earth, la Terre maudite. C'est quand Judge Dredd doit traverser tous les États-Unis pour aller apporter un vaccin à Mega City. C'est cool, parce qu'on ça. C'est vachement bien. Ouais, franchement, je me demandais depuis tout à l'heure, quand est-ce qu'ils vont? C'est putain de voilà. Zone sinistrée. Et voilà, bah, il y va au bout de, je sais pas, 40 épisodes. Il passe 20 épisodes à traverser les États-Unis. Ah, et alors, ce qui est bien dans Dredd, c'est que c'est hyper bourrin. Ça pourrait être une BD fasciste. Et ce qui se passe, c'est que alors ça, que en fait, pas c'est, du tout. Il y a beaucoup d'ironie. C'est un peu Manuel Valls avec un casque, quoi. T'as 100 ans, c'est le charter, tiens. Non, mais il y a toujours cette distance, cette ironie anglaise qui fait que ça passe. Sinon, ça serait insupportable, cette BD. Et c'est grâce à l'humour que ça passe. Par exemple, là, quand il traverse les États-Unis, il rencontre une espèce de créature qui ressemble à un kangourou, mais qui s'appelle Tweak, en fait, qui vient d'une autre planète, qui est l'extraterrestre, qui apparaît le plus débile qu'on ait jamais vu, mais qui en fait l'est pas, on le découvre peu à peu. Il saute de la gueule aussi de Kentucky Fried Chicken et de McDo. Ils font des grosses parodies là-dedans, à tel point que les boîtes ont fait des procès. Donc dans les raids, les épisodes sont sabrés. Donc voilà. Et Dredd continue encore aujourd'hui. Maintenant, c'est des épisodes en couleur. On est passé à la couleur. Et c'est toujours John Wagner donc, qui continue à scénariser. Il l'a fait sous plein de pseudonymes. Il y a eu plein d'autres auteurs. Mais c'est quand même lui qui tient la destinée de Dredd entre ses mains. Ouais. Et vous connaissez John Wagner sans doute parce que c'est lui qui a écrit le graphic novel à la base qui s'appelle History of Violence et que Cronenberg a adapté après. Dernière anecdote. Au début de Judge Dredd, donc la BD est en noir et blanc. Et un des premiers dessinateurs, Mike McMahon, le dessine avec des lèvres charnues. Et en se disant, voilà, il est noir en fait. Enfin, ou en laissant pointer une ambiguïté là-dessus. Et puis les autres dessinateurs n'ont pas remarqué ou n'ont pas suivi. Et donc, petit à petit, quand la couleur est arrivée, en fait, je le vois, il est blanc. Quoi. Mais il est blanc. Mais au début, c'était en milieu. Et dans la BD, il a enlevé son casque, mais on ne le voit pas, nous. Il a enlevé son casque et on a juste vu la réaction en contre-champ, si vous voulez, des autres gens. Ah, ils se sont horrifiés. Voilà, ils sont horrifiés comme s'il était défiguré. Bon.
On sait pas, ça n'a pas été suivi. Tu vois, ils auraient dû utiliser ça dans le Stallone. On aurait dû voir Stallone en ombre chinoise pour dire que c'est quand même lui et qu'on le remette après. Ils auraient dû être plus fins que ça. Judge Red, approved by plus ou moins geek. Tout de suite, on enchaîne avec RL qui, elle, n'a pas traversé un pays avec un virus, ou en tout cas, elle me l'a pas dit. Elle est portée. Tu le sais pas encore. Allez, RL, le petit précis de culture japonaise. On se retrouve juste après en plateau avec notre invité, Julien Chiez. Alors les petits otaku de merde, vous avez lu 3 mangas et vous pensez tout connaître sur la culture japonaise? Vous vous foutez de ma gueule? Vous voulez ma pipe dans le cul? Mais moi je vais vous apprendre la vie, moi, c'est à cause de vous qu'il y a des préjugés à la con comme celui-là. Au Japon, on peut fumer partout. C'est vraiment une idée de merde, laissez-moi vous expliquer dans un langage soutenu, en 3 points, pourquoi cette idée est vraiment pourrie. Point numéro 1. Tout d'abord, c'est très mal vu de fumer au Japon, c'est un truc de marginal, de yankee, de yakuza et de rebelle en tout genre. C'est d'autant plus mal vu pour les femmes qui ne représentent qu'un quart des fumeurs au Japon. Point numéro 2. Mais pourtant, c'est facile d'acheter des cigarettes au Japon. Déjà, c'est moins cher. En plus, il y a des distributeurs un petit peu partout, même dans les supermarchés. Bon, on sait, les Japonais en sont fans. Le problème, c'est qu'il faut une carte d'identité japonaise pour les utiliser. Ça évite aux jeunes de fumer, même si bon, en uniforme, on les a vite grillés. Le bon côté aussi, c'est que quand on achète un paquet de cigarettes, on nous donne des petits cadeaux. Moi, j'ai eu un briquet et un adaptateur pour mon iPhone. Bon, c'est dommage, j'ai pas d'iPhone. Point numéro 3. C'est tout le contraire de la France, par contre. Pour fumer au Japon, dehors, c'est compliqué. On peut pas fumer où on veut, il faut trouver des espèces de petites places de parking pour s'arrêter, pour fumer. Et elles sont difficiles à trouver, donc le plus simple, souvent, c'est d'aller dans un café pour pouvoir fumer au chaud dans un petit coin fumeur. On a aussi les wagons fumeurs qui sont toujours en place, et dans les Shinkansen, les trains rapides, il y a également des petites cabines. Bon, bah c'est comme des toilettes, hein, ça pue. Finalement, c'est comme les toilettes publiques en France. C'est plus simple de rentrer dans un café pour prendre une conso. Bravo, tu fais des progrès. Et si toi t'as toujours pas compris, je viens t'éclater les dents chez toi, ok? Au revoir. Qu'est-ce qu'on est bon ! On s'auto-félicite. Quelle bonne émission ! Plus ou moins geek a mené l'enquête cette fois-ci dans ce numéro sur les affiches de cinéma. On était voir un des plus grands collectionneurs d'affiches de cinéma en France qui va nous décrypter tout ce qu'il faut savoir autour de ce joli support. Il existe une terrible maladie qui touche chaque année des millions de Français. Une maladie sournoise qui modifie votre quotidien, qui va engloutir toutes vos économies. Cette terrible maladie, c'est la collectionnite aiguë. Que ce soit pour les Pokémon, les Tamagotchi, les Pog, les Pins, les Playmobil, les Rubik's Cube ou les cheveux de Rurik, la collectionnite aiguë touche tout le monde. Et aujourd'hui, rencontre avec Benoît Carpentier, un des experts français de l'affiche de ciné. Où sommes-nous ? Alors ici, c'est la boutique Affiches Ciné. C'est l'endroit où je stocke les 40 000 affiches du catalogue. Des affiches qui vont du début du XXe siècle aux derniers films sortis au cinéma ces dernières semaines ou ces derniers jours. De quand datent les premières affiches telles qu'on les connaît ? À l'origine du cinéma. Les premiers films ont tout de suite, immédiatement, eu le droit à des affiches. Il y a l'affiche très très célèbre de la sortie des grands magasins dans lequel les frères Lumière faisaient leur première projection. Il y a l'affiche pour L'arroseur arrosé qui est réputée être la première fiction de l'histoire du cinéma. Ça avait déjà une affiche et les affiches étaient pour L'arroseur arrosé déjà au même format qu'aujourd'hui. Comment fabriquait-on les affiches à l'époque ? Alors avant l'apparition de l'impression offset, on travaillait en lithographie. C'est-à-dire que l'illustrateur faisait une maquette au format, c'est-à-dire que si l'affiche devait faire 1m20 par 1m60, il faisait une maquette d'1m20 par 1m60, qu'il transmettait à un artisan lithographe, qui travaillait à l'imprimerie, et l'artisan lithographe séparait les couleurs en différentes plaques, et l'impression se faisait par plaques. Du coup, c'était vraiment un travail qui s'apparentait à un travail de peintre associé à un artisan lithographe. Comment le graphisme a évolué jusqu'à aujourd'hui ? Alors d'abord, il faut tordre le cou à un lieu commun. Un lieu commun qui voudrait que les vieilles affiches soient en noir et blanc. Évidemment, les vieilles affiches n'étaient pas en noir et blanc. Les films étaient en noir et blanc et muets, mais les vieilles affiches étaient très colorées, imprimées en lithographie, et répondaient à des codes différents. Il y avait rarement des noms d'acteurs. Il y avait souvent uniquement un titre et un logo d'une maison de production, d'un distributeur. Quels sont les grands illustrateurs d'affiches ? Jean Machy est un très grand créateur d'affiches de cinéma. C'est lui qui a dessiné des affiches aussi célèbres que Bob le Flambeur de Melville. Vraiment, c'est un très très grand illustrateur. On a Roger Soubi, qui était vraiment, quand il y avait du grand film hollywoodien des années 60, des années 50, 40, c'était vraiment lui la figure de proue. C'était des artistes, ou je dirais plutôt des artisans, spécifiques au cinéma. C'est-à-dire que c'était leur métier, illustrateur de cinéma. Quelles affiches sont devenues mythiques ?
faut partir de la naissance de l'affiche moderne. En fait, la naissance de l'affiche moderne, c'est la naissance du parlant. À partir de 1930, naît vraiment le Star System. Et là, on met les acteurs en valeur, on met des noms en valeur. C'est là qu'apparaissent les affiches mythiques de Autant n'emporte le vent, de Casablanca, du Faucon Maltais. Chaque décennie aura son affiche mythique, ses affiches mythiques. Actuellement, la mode est très orientée sur Steve McQueen. Donc Bullitt, l'affaire Thomas Crown, ça fonctionne très très bien. Quand on remonte encore, on arrive au Hitchcock, à la grande époque des Hitchcock. Les plus anciennes, c'est une grande quête. C'est la chasse au trésor pour aller attraper une affiche de soupçon, par exemple. C'est pas mission impossible, mais en tout cas, c'est un Graal. Où trouves-tu tes affiches ? C'est aussi bien sur Internet que dans les brocantes, que taper à la porte de cinéma en espérant qu'ils aient encore des affiches anciennes. Ça, c'est une source qui est quasiment tarie. Hein, mais ne pas hésiter à donner son numéro de téléphone à beaucoup de gens, des collectionneurs. Et puis, ça finit par venir avec les années. Quelles sont tes plus belles pièces ? La Planète Interdite est en vente à 8000 euros. Je suis très fier d'avoir trouvé l'homme au bras d'or d'Otto Preminger. Je suis très fier aussi d'avoir eu une affiche originale des Diaboliques, qui est une affiche mythique du film de Clouseau. C'est une affiche qui vaut dans les 3000 euros. Vraiment, c'est des affiches que j'étais fier de trouver. Le salaire de la peur aussi, j'étais très fier de trouver le salaire de la peur. Casque d'or, c'est vraiment des affiches qui m'ont fait rêver et de les trouver, ça a été une grande satisfaction. Y a-t-il une différence entre les affiches françaises et étrangères ? L'affiche de cinéma française est particulièrement appréciée parce que les artistes français avaient leur style, réellement. On est un des pays qui se séparait totalement de l'affiche originale américaine, par exemple. Et ce qui fait que l'affiche originale française est très recherchée aujourd'hui, même par les Américains. S'ils veulent une affiche du Grand Sommeil, d'Howard Hawks, ils voudront l'affiche française, parce que leur affiche n'est pas satisfaisante. Quel est le profil du collectionneur d'aujourd'hui ? Ça peut être un gamin qui a vu le dernier Tarantino au cinéma, qui vient acheter l'affiche du dernier Tarantino à 16 euros. Ça peut être un 4 sup qui veut s'acheter l'affiche du premier film qu'il a vu dans sa vie. Il va acheter une affiche originale de mon oncle, il va l'acheter, il va partir avec, il va la faire encadrer dans son salon et je ne vais jamais plus en entendre parler. Il y a le collectionneur qui collectionne sur les frontières ou la contrebande par exemple. Il y a le geek qui collectionne des choses très 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 underground. Vraiment, le collectionneur, parfois, on ne comprend pas très bien quelle est sa ligne de collection, mais c'est vraiment, ils ont pour point commun tous d'être très très passionnés. Comment reconnaître une affiche originale ? Il n'y a pas de faux dans l'affiche de cinéma française. C'est-à-dire qu'une affiche de 1m20 par 1m60, 1m20 par 1m60 est très difficilement falsifiable. Il y a quelques cas qui sont historiques, mais même ces affiches-là ont fini par acquérir de la valeur parce que c'est suffisamment étonnant pour que l'histoire s'en souvienne. Comment conserver ces affiches ? Le bon collectionneur d'affiches ne roule pas ses affiches si elles sont pliées d'origine. Les affiches de cinéma originales, françaises, sont toutes pliées d'origine. Il faut les conserver dans leur pli d'origine. Si on a envie d'en afficher une chez soi, on les entoile ou on les encadre. C'est comme on veut. Benoît, je pense qu'il manque une seule affiche dans ta boutique. The Affiche, celle qui vaudra de l'or dans les années à venir. Celle-ci. Affiche de cinéma, bah, de toute façon, vous en avez tous chez vous. On en a vu des affiches, oui, en effet. Et moi, j'aimerais bien qu'on aborde ensemble les affiches qui ont fait polémique. Alors, je vais vous diffuser quelques affiches. Première affiche, si on peut voir l'affiche d'Amen. Est-ce que ça vous avait choqué ? Vous savez pourquoi elle a fait polémique, cette affiche ? Bah, en même temps, on le voit. Bah, ouais, c'est sûr. Il y a une croix un peu... Non, vraiment pas. Tu sais, pas très catholique. Ouais. Tu sais, il y a un milliard bizarre. De BD qui, pour faire vendre, mettre des croix gammées... C'est pour ça, moi, je voulais... Voilà, c'est un peu la question, c'est est-ce que finalement, c'est vraiment une polémique ? Est-ce qu'à un moment, la création s'arrête quelque part ? Est-ce que parce qu'on se touche un sujet tabou... Non, mais c'est le sujet du film, c'est pas utilisé... Je suis assez d'accord avec toi, ouais. Vu que c'est le sujet du film, je t'impose... Donc là-dessus, vous la laissez... La tronçonneuse, t'as un mec dessus avec une tronçonneuse. Ah oh, bah alors bah, attends, je sais pas, c'est pas... C'est un alors qu'un mec avec une tronçonneuse sur Amen, ça fait un peu plus chez lui. C'est peut-être l'association mots à connotation religieuse et croix gammées qui a choqué, peut-être, je sais pas. Donc c'est là vous la gardez. Vous la gardez dans le métro, on est d'accord. Est-ce qu'on peut voir la suivante ? C'est arrivé près de chez vous ? C'est arrivé près de chez vous ? Vous allez voir. Celle-là, ils ont enlevé le... Au début, c'était un bébé. C'est parce que c'était une tétine de bébé, exactement, qui était éclatée. Ils ont gardé la tétine. Ouais, par contre, tu peux tuer un vieux, mais pas un bébé. Ouais. Alors, c'est ça que... Oh, mais les vieux, de toute façon... Est-ce que la version avec tétine, vous la laissez dans le métro parisien ?
La quoi? C'est la version avec Tétine, vous la laissez dans le métro parisien. Mais ouais, il faut Julien. Un peu de liberté quand même. Enfin, ouais. Moi, ce qui m'hallucine, c'est par exemple toutes les couvertures ou les affiches avec des cigarettes ou des. Il y a des expositions, par exemple, l'exposition avec Tati. Tati qui a une pipe, parce qu'il est comme ça dans ses films, il faut la supprimer, il faut la photoshopper. Ouais. Mais attends, on est où? C'est-à-dire qu'à un moment, c'est de la création, c'est de l'art. On va pas demander à un peintre de retirer un peu plus de bleu, de mettre un peu moins. C'est alors, création, coup, ça me permet de rebondir un truc sur Julien, c'est-à-dire. Et finalement, ça arrive moins. Ouais. Putain, rebelle. Ah ouais. Non, mais par contre, ça arrive moins sur le jeu vidéo, on est d'accord en fait. Pour rebondir à ce que tu disais, que le jeu vidéo, l'affiche parce pas que le jeu vidéo est globalement quand même beaucoup plus consensuel. Et on commence à avoir aussi des soucis un petit peu de cet ordre-là dans le jeu vidéo parce que. Kojima, il commence. Voilà. C'est quoi l'affaire Kojima, les amis? Vas-y, vas-y. Bah, il y a une cosplayeuse, enfin, il a fait un cosplay, qui est, enfin, un personnage qui est assez sexy puisqu'elle est assez déshabillée. Enfin, il n'y a rien de très choquant et ça a embrasé Twitter. Mais de toute manière, Twitter aujourd'hui s'embrasse pour à peu près pas grand-chose. Dès qu'il a un sujet. Public, ça. Exactement. Mais ouais, moi je pense qu'il faut laisser un petit peu de liberté. On est dans une société qui, finalement, mai 69, etc., on a voulu abolir plein de trucs. Surtout 68. 68, ouais. Puis finalement, on revient à quelque chose de très rétrograde, de très puritain, de punibon. Et moi, ça me tend un peu. Surtout pendant ce temps-là, je trouve que là, les mecs sont en train d'attaquer des films qui racontent des histoires, des créations et tout. Moi, je pense que politiquement, il y a des choses qui sont dites, et parfois à la une des journaux qui sont odieuses, au-delà de l'odieux, qui n'ont pas la moitié des polémiques de ces trucs-là. T'as même les affiches avec. T'as deux homosexuels qui s'embrassent sur une affiche aujourd'hui. Même t'as des lits qui se lèvent en disant. Non, mais tu vois. Alors que regardez, on peut être homosexuel et embrasser. Ça y est, ils l'ont fait. On est en. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Nous sommes pères de famille. Ça n'empêche pas. Bonjour monsieur, nous avons des enfants tous les voilà. Ensemble. Il y en a une qui m'a fait beaucoup rire, c'est les affiches pour le film Diana qu'ils ont mis. Où ça? Près du pont de l'Alma. Le bon goût de la France, chers amis. Il y a d'autres d'ailleurs, affiches. D'ailleurs, le film a fait comme la voiture, il s'est craché. Bien sûr. C'est ça. Allez, c'est Cannibal Holocaust. Est-ce que l'affiche, c'est bien la nana qu'on voit complètement transpercée? Ouais, voilà. Alors... Ça, c'est quand même ultra gore, tu vois. Ouais, mais là, côté graphique. Moi ça me choque 10 fois moins ça que de voir au JT de 20h avec juste limite une mention vite fait en 2 secondes les gens qui vont attention les images peuvent être un peu choquantes et puis on voit des vraies gens se faire tuer avec les gens qui tombent. J'ai vu des manifs en Turquie ou en Iran, je sais pas quoi, les manifs de femmes avec les keufs qui leur donnaient des coups de ranger dans la gueule. Personne dit rien, je suis désolé, mais c'est pas la création, c'est la vérité. Mais moi concernant les affiches, j'ai quand même une vraie question: pourquoi sur toutes les affiches à chaque fois les noms des acteurs sont pas au-dessus de leur tête? C'est-à-dire que quand t'as deux gars, ça je peux même te dire c'est par contrat. C'est par contrat. Mais ça sert à quoi? Regarde, genre, je suis premier. Genre, c'est un petit défi, c'est un quiz, genre, reconnaîtras-tu l'acteur? C'est pas Jean Dujardin qui est l'affiche d'Évasion aux États-Unis avec Schwarzenegger, Stallone. T'as Schwarzenegger qui est avant, ou l'inverse, j'ai oublié. Schwarzenegger qui est avant, Stallone qui est après. Ouais. Par contre, Stallone est avant, et est un peu plus haut. Le mec a dit bon, je me mets en deuxième, mais tu me mets plus haut. C'est que n'importe des trucs quoi, comme ça. N'importe c'est quoi. Génial, c'est incroyable. C'est comme les films anglais. Les titres américains qui sont traduits en titres américains encore, mais encore moins compréhensibles que le titre américain initial. Est-ce qu'il y aura des titres américains traduits en américain, traduits en chinois, traduits en russe, traduits en estonien, en roumain, en polonais, et j'en ai plus dans la rubrique de Rudy Pomaret de l'année geek. C'est tout de suite. Bordel de Dieu. Bonjour, monsieur R. Dites, vous ne m'aviez pas dit la dernière fois que vous ne vouliez pas me faire de mal? C'est exact. Mais votre manque de coopération nous ont fait prendre certaines mesures. Merci bien. Aujourd'hui, nous voudrions que vous nous parliez de l'année 1996. Mais pourquoi vous me prenez la tête avec vos questions d'histoire? L'année 1996, monsieur R. Ok, ok. 96... Charles et Diana divorcent enfin, ouais, ça vous en foutez. Il y a les attentats des Jeux Olympiques d'Atlanta. Ce ne sera pas une contre-pétrice, hein? Je ne crois pas. Ah, dommage. Sinon, ça a été une bonne année niveau cinoche, hein. On a eu droit à Seven de David Fincher, au Bossu de Notre-Dame aussi. Mais c'était un autre genre de film, ça. Par contre, niveau télé, c'était le désert, hein. Aucune série de grande envergure, rien. Alors on s'est tourné vers les jeux vidéo. Je me rappelle, j'ai pas quitté mes consoles cette année. Avec les sorties de Warcraft 2, Daggerfall, Super Mario 64, Pokémon... C'était le festival. Vous vous égarez, monsieur R. Concentrez-vous sur l'événement majeur de cette année. Voyons, le truc le plus kiffant de l'année... J'allais. Ça tient en deux mots. Duke. Nukem. 3D. Bon, ok, ça fait trois mots, mais ce jeu, il les mérite. Il a marqué les esprits.
Dans ce Doom-like en 3D, on incarnait un avatar de machisme et de bassitude, qui ressemblait d'ailleurs trait pour trait à un certain Arnold Schwarzenegger. Duke pouvait bastonner du mutant, sauter, utiliser un jetpack, détruire les éléments du décor, et le tout dans un humour gras très série Z et beaucoup d'autodérision. On pouvait même agiter des billets sous le nez de danseuse sexy pour qu'elle nous... On va s'arrêter là. Il est clair que vous ne prenez pas encore nos petits entretiens au sérieux. Je pense qu'il va falloir encore vous inciter à une meilleure coopération. Non, je vous assure, je... Il est temps de passer à Nico. Nico qui revient quand même des États-Unis juste pour nous, les amis. C'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Allez, je vous aime tellement. Jeux vidéo. Alors, au lieu de... Tu vas nous parler de Nintendo, tu vas nous parler de quoi? Nintendo. Attends, mais Julien, ici aussi, t'es connu pour être un gros gros Nintendo. J'ai quelque chose qui est marqué sur la main. Non, mais attends, faut assumer un petit peu. Bref, avant de vous parler de quoi que ce soit, en image d'abord, un petit trailer. Hé, mon pote, par ici. Viens dans la station. Si tu tiens à la vie. Alors j'ai choisi ce jeu pour plusieurs raisons. C'est que moi j'ai aimé l'expérience, qui est vraiment un jeu expérience, un petit peu à l'image d'un Gravity qu'on retrouve au cinéma, où c'est une expérience. Et parce que Rick aussi est un peu relié au film d'horreur et tout ça, et c'était assez excitant de parler. Par transfusion. J'ai quelques petites anecdotes autour de Zombie U. Alors Zombie U, c'est sorti l'année dernière, au mois de novembre, pendant la sortie de la Nintendo Wii U, cette fameuse console avec ce gamepad qui permet d'avoir une sorte de gameplay asymétrique, c'est-à-dire très simplement de ne pas donner les mêmes règles aux mêmes joueurs dans la pièce. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est à l'écran, l'autre qui a l'écran sur lui, différentes règles, différentes façons. Alors, ce qui fait que personne n'a rien compris. Exactement, c'est un peu la problématique de ce discours marketo qui est un peu compliqué. Et surtout que tout le monde a envie d'avoir le gamepad et pas juste une vieille Wiimote. Oui, c'est ça, la Wiimote, tu l'as pas. Tout le monde arrive quand tu joues à plusieurs. Je peux avoir le gamepad? Ah ben non, il n'y en a qu'un seul. Ah bon? Et toi, t'auras quoi? La Wiimote. Alors, l'avantage de Zombie U, c'est qu'il ne se joue uniquement au gamepad et à la télé, donc il n'y a pas de Wiimote et ce genre de choses. Et on va se retrouver dans un Londres, plus ou moins de cette période-là, qui est, non sans nous rappeler, les 28 jours, 28 semaines plus tard, un petit peu, ces films d'horreur qui sont plutôt fantastiques. Qui sont plutôt cool, hein. Ce sont des bons films, bonne ambiance. Et donc du coup, le scénario est plutôt basique, c'est une sorte de prophétie qui annonce une fin du monde qui va prendre à Londres. Je vais pas trop raconter le derrière pour ceux qui n'ont pas joué ou ceux qui vont peut-être découvrir le truc. Derrière. Hein. C'est pas envie de le renifler. Exactement, le derrière, oh, tiens, il y a mon pote Gizmo. C'est le premier conso de la honte que je donne à un invité. Ah, tiens, vas-y, Voilà. Pas de problème. Alors du coup, ce jeu est développé, donc je sais pas si je l'ai dit, par Ubisoft, qui est une société française. Je ne l'avais pas dit. C'est une petite équipe à Montpellier. Ils ont commencé le dev il y a à peu près 2 ans, 3 ans. Ils étaient partis sur un jeu qui s'appelait Killer Outer Space, hein, qui était une sorte de truc un peu bizarroïde avec des extraterrestres. Et a priori, en interne, ça a pas du tout motivé Ubisoft. C'était pas le truc le plus sexy. Et il y avait en parallèle un phénomène que l'on connaît tous, The Walking Dead. Et donc du coup, il y a un petit peu ce truc, on met ça sur la table, tiens, on va faire un jeu sur les zombies. On a un outil qui est le gamepad, on peut faire des choses et on va faire un vrai survival horror, pour moi qui a mon sens depuis ces 2-3 dernières années, le vrai survival horror. Celui qui te fait peur, celui qui te fait le jump scare, celui qui dit « Oula putain, je pose la manette, j'en peux plus. » Le jump scare, c'est quand tu as un truc qui te saute au visage, tu fais « Ah !» Jump scare. Ah. Et donc, les anecdotes, tu nous parlais de toutes ces petites anecdotes sympas qui étaient autour. Ah ben, je les garde pour la fin parce que... Mais c'est la fin. Alors en gros, on va pas expliquer comment fonctionne le gamepad, mais il y a plein de petites choses, les maps, les gyroscopes. Le principe du jeu, c'est qu'il n'y a jamais de pause, premier point. Donc ce qui fait que t'es toujours, quand tu joues et que tu veux prendre ton sac à dos, t'es obligé de te plonger dans ton gamepad, mais toujours obligé de regarder la télé, parce que les zombies peuvent te continuer à t'attaquer, donc t'as jamais de pause, ce qui crée une vraie tension. Attends, qu'est-ce que tu vois sur la télé, qu'est-ce que tu vois en sur fait, le gamepad? Imagine-toi, t'es le mec avec son sac à dos, quand il retire son sac à dos et qu'il va dans le sac à dos, t'es obligé de regarder le gamepad, parce que ça ne s'arrête jamais. C'est l'un des rares c'est dans gamepad. Ah ouais, c'est-à-dire que t'as un écran sur le truc. Exactement. Ouais, et tu vois dans le sac ici. Tout et tu à vois fait. Les... Et t'as les zombies. Et par exemple, t'as des trucs très sympas. C'est asymétrique. C'est très immersif. Et c'est vraiment un jeu très viscéral pour ça. Il est extrêmement difficile. Il se rapproche un peu des jeux comme Dark Souls pour leur difficulté. C'est vraiment punitif. Des runs. Même très punitif, voire peut-être même trop punitif à certains moments. Et donc du coup, voilà, t'as toutes ces petites choses qui font que le jeu est une vraie expérience. Un truc unique. Alors le jeu n'a pas fonctionné, a priori, hein, c'est 400, 500 000. A priori, t'as vu qu'en fait, quand c'est Nintendo, c'est...
Les chiffres, ils sont merdiques, mais chez Nico, c'est a priori. C'est-à-dire, je suis pas sûr. Le jeu, c'est pas qu'il n'a pas fonctionné, c'est que. C'est quoi les chiffres? À 50 euros. C'est entre 400 et 500 000 exemplaires pour un jeu de launch. Donc un jeu de lancement, c'est pas mauvais, c'est pas incroyable. C'est pas fou. Voilà, c'est pas fou, c'est pas top top. Mais il y a aussi cette volonté de faire un jeu vraiment différent. On est loin d'un Call of Duty qui est très mainstream, d'un Battlefield très mainstream. Peut-être qu'ils espéraient pas plus que ça non plus. Je pense qu'ils espéraient pas plus. Et aujourd'hui, on sent que Ubisoft a peut-être envie de faire une suite. Donc en interne, il y a des rumeurs, on peut balancer, ils ont envie de faire une suite. On ne sait pas si ça se fera avec les mêmes codes, ça sera peut-être un peu plus mainstream. La dernière avant de partir. Parce que je me tire après, mais donc effectivement, la dernière que je pourrais te raconter, c'est qu'il y a eu un vrai problème entre, à mon sens, la presse et les joueurs. Les joueurs ont aimé l'expérience, vraiment de façon viscérale. Nous, on a été les seuls à aimer, Gameblog, on a été les seuls à aimer. On a bien Nicolas, voilà. La presse, tu es toute mais, la presse, tu non, mais Julien est là et peut en attester. C'est vrai qu'il y a eu une vraie séparation dans la presse. Ils disent oh putain, c'est trop dur, c'est mal branlé. Et d'autres qui ont dit l'expérience est énorme. C'est comme Gravity au final. C'est soit on est touché par l'expérience, soit on dit oula, non, c'est pas pour moi, c'est pas ce que j'attends du cinéma. D'accord, c'est ça qui est intéressant aussi dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a de plus en plus de subjectivité. C'est-à-dire que le cinéma, dans la littérature, dans les comics, etc., on est habitué à ce que les gens aiment, n'aiment pas, etc., et comparent leurs opinions. Dans le jeu vidéo, il faut toujours. Soit tout le monde doit aimer, soit tout le monde doit détester. Mais on est obligé d'avoir le même ressenti. Et à la cinéma, il y a un peu de ça aussi. Hein. Je vous propose, quand t'arrives et que tu dis Gravity, c'est de la merde, on te fait. Comme dans la maison, ça, c'est le côté espèce de pensée unique. Moi, j'adore. Ouais, que les gens pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, qu'ils ont meilleures pensées. Il y a une petite anecdote quand même dans Zombie U, c'est qu'à la base. J'ai été obligé de sonner là-dessus. Ça fait 4 fois, je l'ai mon doigt. Les amis. Avant que des zombies, c'était les lapins crétins. C'était des lapins crétins. Okay. Zombifiés. Zombifiés. Puis ils ont complètement changé. D'ailleurs, Rurik a même craqué. Oh, super. Beau gosse. Justement, eh ben Julien, tu vas rester en forme, tu vas rester chaud comme la brèche, parce qu'on va attaquer ton interview. Attaquons. Donc Julien, il est Gameblog en chiffres pour mes amis incultes qui ne savent pas. Je m'inclus dedans en fait. En chiffres, c'est le troisième site de jeux vidéo en France maintenant. On a fêté nos 7 ans il y a quelques jours en février. Exactement. Ça marche super bien. On a relancé un tout nouveau site à la fin de l'année dernière en 2013. Donc ça s'est très bien passé, c'est cool, on est ravis. Donc plein de bonnes choses. Et puis il y a les nouvelles consoles qui sont arrivées, il y a les gros jeux de cette génération de nouvelles consoles qui vont arriver à Noël. Enfin, c'est très excitant. Et je sais de source sûre en fait que tu t'es vengé. Je t'ai vengé de cette émission. Je t'ai vengé de plus ou moins geek. Très bien. Je t'ai pris Nico. Oui. Tu m'as pris Joe. C'est vrai. Est-ce que c'est pas vrai que Joe Hume, notre expert série télé, a été débauché? Débauché, je ne sais pas, mais les meilleurs talents qui se retrouvent habituellement autour de cette table sont bien évidemment les bienvenus sur Gameblog. Rurik, Laurent, on peut se marrer, nous ne faisons pas partie. Mais attends, c'est ton émission, Julien. Vas-y, débrouille-toi. On sera payé le billet d'ici 20 euros, j'y vais. Alors, je vais vous parler d'un jeu que j'apprécie énormément. Bonjour, j'ai créé Gameblog, c'est une très bonne plateforme. Putain, et on est vachement plus bas. Allez, alors, regarde, tu connais ça ou pas? Écoute, j'ai envie de rester de ce côté-là. Voilà, est-ce que vous connaissez? C'est Final Fantasy VI. Ah, tu l'as acheté au Japon ou à Junko? Je l'ai acheté au Japon, mon ami. Attends, au Japon, ainsi que ça aussi. Parce que quelque part. Est-ce que tu voulais nous parler d'une œuvre qui t'avait fait vraiment vibrer? Ah, bah si on parle de trucs geeks qui vous font triper et machin, ça pour moi, c'est un peu la Bible. Hein. C'est-à-dire que sans Final Fantasy VI, je serais probablement pas là en train de vous parler. Je serais vigneron. Exactement. Un papier pour Mais non, mais en 94. Dis donc, elle a drôlement changé la Bible. Et ça m'a fait exploser la tête. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, c'est le moment où je me suis dit, je peux pas juste jouer, j'ai envie d'en parler. Parce que c'est là où j'ai compris que le jeu vidéo, c'était pour moi, mais plus que du jeu, une passion. Et donc, c'est une œuvre, pour moi, d'un trio qui est incroyable. C'est Sakaguchi au scénario, c'est Nobuo Uematsu à la musique. Et c'est extrêmement fort, vraiment. C'est l'aventure, c'est le souffle épique, c'est le RPG à la japonaise, à son summum à cette époque-là. Alors, Super Nintendo. Comment tu peux convaincre un newbie comme moi qui, en fait, a la flemme? Zombie U, en fait, j'ai fait le premier niveau, j'ai trouvé ça super bien. En fait, ça me fait chier, en fait, d'attendre. Non mais moi, il me faut les solutions tout de suite. Comment je rentre dans Final Fantasy? Un monde rapide qui va trop vite aujourd'hui. Oui, c'est ce que me dit ma femme. C'est pas forcément ça, mais justement, c'est des jeux qui se vivent sur de longues heures. Alors voilà, le RPG à la japonaise en ce moment, il est pas forcément dans une passe extrêmement très bonne. Mais à cette époque-là, vraiment, c'était les plus grandes aventures, les plus grandes épopées. On vivait vraiment des histoires fortes, riches en émotions, riches en rebondissements. Visuellement, on est à la toute fin de la Super Nintendo. C'est le moment où la 2D est vraiment
éblouissante musicalement à l'intérieur. Alors ça, pour ceux qui savent pas, donc c'est qui en fait beaucoup de bruit sur la table. Oui, en fait. Excuse-moi. Enfin, c'est la Bible qui fait du bruit. C'est le Piano Collection et donc avec en fait toutes les partitions, des morceaux, etc. Et à l'intérieur du jeu de FF6, il y a un opéra. Et on est à l'époque de la Super Nintendo et ils ont intégré des petites digites vocales qui vous font vraiment croire que vous assistez à ça. Et en fait, vous devez répondre bien en fonction des lignes de dialogue et de chants qui sont les plus adaptés. Et c'est incroyable parce que d'habitude dans un jeu, si tu fais un opéra, allez, c'est une petite séquence qui va durer 2-3 minutes. Non, non, là ça dure demi-heure d'opéra avec ses musiques et les combats en même temps. Enfin, il y a un rythme incroyable. Enfin, c'est une fresque qui est phénoménale. Final Fantasy aujourd'hui, c'est une série qui n'est pas forcément aussi. On en est quoi 13-2, 13-3, 14-7. Il y a le 14 qui a été relancé en MMO. Il y a le 15 final et qu'on est à son 14e tome. Pour la petite anecdote, vendredi 13. C'est pourquoi d'ailleurs, ça c'est intéressant. L'anecdote, pourquoi ça s'appelle Final Fantasy, c'est puisque à la base, Square, qui est donc le développeur, ça n'est pas bien du tout. Et donc ils se sont dit, allez, on va lancer un dernier jeu, une dernière fantasy. Si ça marche, banco. Si ça rate, eh ben, on met la clé sous la porte. Le succès qu'on connaît. Alors, dans la dernière anecdote, est-ce que tu te souviens du titre original de Final Fantasy ? Absolument pas, du coup. C'était The Last Story. Non. Oui. C'est vrai ? Ouais. Ah, c'est le jeu qui est sorti sur Wii il y a 3 ans maintenant. D'accord. Qui était le titre original de Final Fantasy. Ah, c'est Sakaguchi qui a révélé ça dans une interview. C'est la même pour Marvel Comics. Ils ont lancé les 4 Fantastiques. On s'en fout. De toute façon, la boîte cool. Voilà, et on joue le tout pour le tout. Enfin, c'est même pas y jouer le tout. C'était juste on va faire un truc pour s'éclater parce que maintenant on est libre. On n'a plus rien à perdre. Bah, plus ou moins, c'est ce qu'on a fait. Là, on est dans la dernière. On est fou. Allez, hop, je récupère ma place. On change de table, rotation. Julien, t'as tellement bien parlé en fait. Que j'avais prévu un jeu que je ferai dans une prochaine émission. Votre voilà. Je ne sais pas combien il nous reste de temps en régie. Est-ce qu'on peut me faire un petit signe? Ah bah c'est mort. 5 secondes. Bon, en fait, ça fait 15 minutes que c'est terminé, mais on n'ose pas vous le dire. C'est tellement bon. Il n'y a plus personne. L'émission va plonger dans le noir dans quelques secondes. Allez, tout de suite, la shopping list, on retrouve nos esprits. On se retrouve juste après. Hey, dis donc, tu vas halluciner, Jason. Et Canal vient de m'appeler. Ah ouais, Canal, hein. Ah, ils me veulent, hein. Ah, je peux te dire qu'ils me veulent, hein. Et Canal, attention, hein. Le grand Canal Plus, hein. Ah ouais, ils veulent que je renouvelle mon abonnement. Mais ils me veulent, hein. Wolverine Gambit, tome 1, les victimes chez Panini Comics. Un très 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 bon album dont je vais vous lire le pitch parce qu'il est très très bon. À la fin du 19e siècle, tueur en série, Jack l'Éventreur terrorise Londres. 100 ans plus tard, la capitale britannique est le théâtre de nouveaux meurtres. Gambit, célèbre membre des X-Men, compte bien résoudre ce mystère. Mais que fera-t-il si l'assassin n'est autre que Wolverine ? Gambit qui est un de mes personnages préférés puisque, rappelons-le, il peut mettre des charges énergétiques dans des objets, principalement des cartes à jouer. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai ce pouvoir. Non. Non, tu l'as pas, hein. Non. Non, mais... Non, t'as pas de pouvoir, David. Hein. Ça... Bon. Un petit cadeau idéal pour les apprentis geeks de moins de 10 ans, les Lapins Crétins, la série télé distribuée par France Télé Distribution. Alors si vous n'êtes pas sensible des tympans avec les... Ouais qu'il y a toutes les 5 minutes, cette série est faite pour vous. D'ailleurs, grâce à Plus ou moins Geek, vous allez plonger dans l'intimité des auteurs de la série des Lapins Crétins. On regarde ça. Tu vois, pour la séquence 42, je mettrais bien un lapin qui fait... Non, je verrais plutôt un lapin qui fait... Excellent! Un cadeau pour un pote que tu n'as pas vu depuis longtemps et que tu reverras pas avant quelques années, Fanboy vs Zombie, c'est chez Glénat Comics, là, le tome 2 en l'occurrence. C'est quoi ? C'est de la geek attitude avec du zombie, un peu à la sauce funky, encore une déclinaison sans piternelle de Walking Dead. Mais alors, les dessins, il n'y a qu'une chose à dire, ça manque un peu de chair. Le livre d'école des apprentis sorcières chez Glénat. Tout savoir pour faire des rites, des potions magiques, des élixirs, des envoûtements. Pour toutes les jeunes filles de 13 ans, par exemple, harcelées par un animateur télé... Un animateur télé... La dynastie Donald Duck, chez Glénat. Oh que c'est bon, parce que si, comme moi, tu as lu Mickey Parra des Picsou Magazine aux toilettes, tu sais que c'est de la balle. L'intégrale des histoires, dessinées par Karl Barks, par Don Rosa, sont chez Glénat. On peut juste regretter un petit truc, c'est qu'à 30 euros le tome, comme là on en est déjà au 15e pour Karl Barks,
et ça fait un peu mal au portefeuille. Bienvenue dans Maison à vendre. Votre maison, c'est votre goût, c'est votre décoration. Vos enfants y ont grandi, mais maintenant ils sont partis et vous voulez la vendre. Aujourd'hui, nous allons chez Sam, le Hobbit, qui vous propose ce trou de Hobbit à 3448 euros. Allez, je crois que c'est le moment de repartir en plateau. Ah, j'en ai fait trop peut-être. Ouais, hein, too much. Ah ouais. Il y a la ligne blanche et je suis passé de l'autre côté, je suis tombé. C'est la ligne, bon, tombé dans la ligne blanche. Ouais. La ligne blanche. C'est clair. C'est comme ça que je tiens dans cette émission avec vous, les amis. Voilà, il est temps de passer au vote. C'est-à-dire, Julien, toi, tu ne connais peut-être pas l'émission. Pas aussi bien que tu ne le devrais, tu vas être puni. À la fin de l'émission, chacun attribue un plus au chroniqueur d'en face qui l'a le plus convaincu de se plonger dans son œuvre. J'autorise à faire entrer dans le vote Final Fantasy VII, parce que tu en as très bien parlé. C'est le 6. C'est le 6, voilà. Mais j'anticipe, je suis déjà dans le futur. Ça, c'est très bon aussi. Du coup, Julien, qui t'a le plus convaincu autour de cette table? Ah, tout le monde, vous avez été fantastique. J'avais des notes. Néanmoins, ton film sur Crichton m'a beaucoup intéressé, je ne l'ai pas vu. Et moi, comme j'ai lu pas mal de ses bouquins et que j'aime bien son univers, je vais suivre tes conseils. Eh bien, écoute, c'est bien. Parce Laurent. Que je l'ai fini. Malgré l'overdose de zombies, que je commence à en avoir jusque-là, j'ai malgré tout envie d'essayer ce jeu qui a l'air bien flippant et voilà, c'est le genre de truc qui me plaît. Malgré une overdose de Pete Doherty, à qui donnes-tu ton plus? De Pete Doherty? Oui, pourquoi? Écoute, j'aime bien Judge Dredd, donc j'ai tendance à dire ça, mais en même temps je connais déjà un petit peu, mais j'aime vraiment beaucoup. Par contre, ce jeu m'intéresse. Je ne sais pas si j'aurai la patience de comprendre comment ça marche, mais... Il faut essayer, parce que franchement, c'est une expérience. Tu peux y jouer 2 heures et ça suffit. Qui n'a pas donné son plus? Moi, je n'ai pas donné. Vas-y, donne. Qui le donne? Ah, je ne sais pas. Je pense Rurik, parce que je ne connais pas le film. Oh, redis-moi ça. Et Final, je kiffe. Bah, oui. Je connais très bien. Et puis, Laurent... C'était Dredd, moi, parce que je vois que tu cherches. Non, je sais. Laurent, il a mal raconté, en fait. Mais prends une décision. Et Dredd, c'est cool, mais je connais pas ça, donc du coup, je vais aller sur ce que je connais pas. Balance. Voilà. Viens. Qui pour qui? Tu vas découvrir, tu vas aimer. Lui, je connais pas son film, donc je mets un point d'honneur à ce que tu aimes. Plus ou moins geek, c'est fini. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et là, on m'apprend dans mon oreillette. Attendez, hein, quoi? Je suis licencié. Non, on peut les citer. Oh, c'est magnifique. Pour la première fois de ma vie, je vais pouvoir dire Facebook et Twitter. Oh. Nous, il y a le site internet aussi, plus ou moins geek. Il n'a pas dit Google Plus. Ça résonne. Google Plus. Personne n'est sur Google Plus. Ma mère est sur Google Plus. Voilà. Allez, à ciao. Bye bye. Et merci Julien de nous avoir accompagné. Merci. Ouais, we'll be right back.